Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo partie de Star Fox Adventures. Je vais vous faire des let's play de ce jeu là. Au début je me disais de faire plutôt un vidéo test, mais bon vu que ce jeu est tellement énorme que je veux tout vous montrer, eh bien j'ai plus envie de faire des let's play, de faire le jeu en entier avec vous. Ouais, je vais vous laisser la cutscene. Commençons, nous sommes déjà dans le feu de l'action. Enfin, la cutscene continue toujours un peu, mais je sais qu'il parle plus là. Voilà, c'est bon, on peut jouer. Donc là, on n'a pas de système de barre de vie, hein. On peut se faire toucher n'importe où. On peut tout le temps se faire toucher si on veut, mais on ne meurt jamais. C'est juste un espèce de. C'est juste que là, bah, c'est pour rendre le jeu plus immersif et qu'on puisse contrôler ce personnage, Crystal, pendant une espèce de cutscene en fait. C'est une espèce de, c'est comme si c'était une cutscene là. Parce qu'on fait pas, grand chose, enfin, faut tirer sur les espèces de. Vous voyez, les machins qui nous balancent des boules de feu. Ah voilà, il a tiré sur le dinosaure. Qui nous balance aussi une boule de feu. Beaucoup de dinosaures de toute façon dans ce Star Fox Adventures, parce que là il y avait carrément un pterodactyle et on va bien sûr rencontrer d'autres dinosaures parce qu'on va être sur une planète où il y a que des dinosaures plus tard. Enfin, je parlerai plus du jeu après parce que là on n'a pas trop le temps parce qu'il va y avoir beaucoup de cutscenes. Voilà, c'est et puis je préfère vous expliquer en gros ce qu'il faut faire là. Là d'abord faut parler au petit pterodactyle et comme ça il nous ouvre la voie. On sait pas comment, il n'y a pas d'interrupteur dans sa cage. Là ça nous montrait juste, c'était. Là c'est le didacticiel. Ça nous montre comment utiliser les objets. Souvent à utiliser le bouton A, c'est le bouton d'action comme d'habitude. Comme la plupart des jeux de ce genre. Et là par exemple il vient de m'expliquer, j'ai appuyé super vite. Mais il vient de m'expliquer que je peux utiliser ça avec le bouton C. On peut sélectionner tous nos objets. Même si là j'ai rien pour l'instant. General Scales. Hiko. Kohud, or Taskuki, if dinosaur planet. Ud Niokraju, ui kimo nekt. Am dek kutsuho kei vorik oi. Am etko kutsuho rozvejo evu Tashkov zuk. U Tashkov zuk? Ki ash niko kuduk, ash at Tashkov.
Kill Cloudrunner kecht mo yorik oi. Kill Ola General. Mo wak. Aundek ulak. Ahiko ilo kio mudu tadijui kial. Kiok. Aš nio amit hiko kutsaš kudok nakivu. Iki anajo. Kio vik ok nuž toke va wika wok mo. Ue tu oki se kodwo mo. Kia chaj dekelu. Edo so tavuk. General Scales. Proces, general. Moro do kemo. Kia chaj dekelu. Pojvat keo jezo ev keo tashkov jadok. Anito avgeaj as neo keo tashkov jadok as semat vem. Kia gech keo krasoa palace. Avo way, we are jato. Rolo ho suvi. Kia kakio, tashwich mek joshut kuso. Et voilà, nous commençons, nous débutons, et là vous pouvez voir, maintenant il y a l'interface du jeu qui vient de se mettre en route. On voit notre barre de vie, là ça nous explique que c'est les téléporteurs pour les bombes ça, parce que les bombes peuvent se construire ici, mais il faut d'abord trouver la bombe pour la voir repopée ici. Et là ça nous demande d'utiliser... avec le stick C, l'objet, bon, on le sélectionne avec le stick C, puis après on appuie sur A, et c'est bon. Donc là maintenant, il y aura beaucoup d'énigmes avec les bombes. Attention aux ennemis. Beaucoup d'énigmes avec les bombes. D'accord, c'est le fail de la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, il faut péter les caisses juste. Et là, il nous explique également... que les œufs là qu'on vient de ramasser, ça sert à nous requinquer. C'est pour regagner de la vie. Et voilà, et le système de santé, c'est exactement le même système que le système de The Legend of Zelda de toute façon. Vous voyez, c'est des cœurs et plus on avance dans le jeu, plus on a des cœurs. Enfin, je crois qu'on peut en avoir 7 en tout. Si je dis pas de conneries. Que ça fait un moment que je l'ai plus fait. Alors on va ramasser quelques œufs si ça sert à rien. On peut faire une petite roulade avec le bouton X et on peut, enfin avec le bouton Y plus tard on pourra l'utiliser. Enfin je vais vous montrer ça plus tard. Putain, il y a un ennemi à deux balles qui me fonce dessus. Bon, on est obligé de se le faire. Voilà, vu que la bombe m'a explosé dessus, bah, j'ai perdu un cœur. Quand on se fait toucher, c'est exactement comme The Legend of Zelda, où on clignote en rouge. Bon, il y a aussi deux sortes d'œufs. Il y a les œufs, comme vous pouvez le voir avant, ceux qui nous redonnaient... Bah voilà, il y a ceux qui nous redonnaient un cœur entier. Et il y a ceux-là qui nous redonnent juste un demi-cœur. Ceux-là qui sont un peu plus colorés. Voilà. Voilà pour l'explication de la vie. Et puis c'est comme Zelda aussi, exactement pareil. On peut assigner des commandes avec le bouton Y. Dans Zelda, on pouvait assigner des commandes avec le bouton X et Y. Et bon, vu que là, le bouton X sert à faire la roulade, voilà. Ah, aussi... normalement vous allez avoir la vidéo en 60 fps, 60 images par seconde, parce que j'ai trouvé un moyen, enfin je sais pas, j'ai pas testé encore une fois, j'ai pas encore uploadé une vidéo comme ça sur YouTube, mais à ce qui paraît ça marche d'uploader des vidéos sous ce format là, à partir de maintenant presque tout le temps je compresserai plus avec Movie Maker, mais plutôt avec Sony Vegas Pro, parce que bah
Avec Movie Maker, ça me remet à 30 fps et... Avant, je pouvais vous proposer des images, 30 images par seconde, parce que bon, vous avez de la qualité merdique avec la caméra, c'était pourri. Et bon, maintenant, vu qu'on a un vrai boîtier d'acquisition, j'ai voulu vous montrer la réelle fluidité du jeu. Keo Krusoa, tu ue kutsak, Keo uhu, tu dwo. Nous ak oe kio grot kio tash kuf shoduk. Niot no noho ukusbat. A shotu kat fo kutsak. No noho muchu shot. Rek neok noho oe tedwo kutsoho. Kio King Earthwalker shot itch game. Hekas kiaj shu shot fusuzo. Kutsimo eve keo krizoa. Keo Krizoa, oho fuso fahax. Tenovic rodu, keo grado kevoke o kudak. Naki keo fahax, e kudak ash tu. Ash kutso jimoker atsute. Moak, et ko keo fiho if kutsuk. Sud kubo keo kashk. Utko keo Krizoa shrine. Etsu achetu. Sem kuko keep perhaps coach. Ut unuak ue hunut. Av ue jesut. Kiot hokit keimo. Am dek huitwu. Donc voilà, c'est comme ça que ça nous montre qu'on aura des petites épreuves dans le jeu. Les épreuves dans les temples, souvent c'est dans les temples Krazoa. Enfin, les Krazoa, bah, c'est comment dire, des espèces de d'êtres qui se mettent dans notre corps, enfin dans le corps de soit Crystal, soit bah, Fox pour plus tard. Parce que là, vous allez voir, on va avoir Fox bientôt. Hein. Crystal, c'est vraiment juste pour l'intro du jeu. On la dirige. Après, on jouera toujours avec Fox McCloud. Là, je vais appuyer. Bon. Le seul problème, c'est qu'ils mettent énormément de temps à monter une échelle. Ça, c'est... Par contre, ils peuvent glisser, hein, ils peuvent descendre très rapidement. Encore faire gaffe au feu. Là, comme vous pouvez voir, là, c'est la première épreuve, c'est de tuer cet ennemi, l'espèce de pieuvre. On va esquiver. Bon, je ne vois pas comment esquiver ça. Comme vous pouvez le voir, je sais qu'il faut tuer cette pieuvre parce qu'il y a ça. Et voilà, ceci est un portail d'énergie vitale. Les esprits qui flottent devant ne vous indiquent le nombre d'ennemis à battre pour que la porte puisse s'ouvrir. Tout simplement. Vous voyez le machin qui tourne en rond. C'est l'ennemi qu'il faut tuer. Voilà, c'est fait. Voilà, c'était une petite épreuve très facile. Là, c'est vraiment parce que c'est la première épreuve pour avoir le premier esprit Krazoa. Et franchement, c'est facile, hein, contrairement aux épreuves qu'on va affronter. Enfin, les prochaines épreuves vont vraiment être difficiles, par contre. Voilà, et à chaque fois qu'on finit toutes les épreuves, avant, là il y en avait deux, toutes les épreuves, eh bien on rejoint l'esprit Krazoa et après il nous demande encore de faire une autre épreuve. Et cette fois-ci, bah, c'est une épreuve, bah, il nous explique l'épreuve. Et là en fait, faut juste le trouver, savoir dans quel pot il se cache. Bon, c'est extrêmement facile. Hein. Bon, je vous dis encore une fois, c'est parce que c'est la première épreuve. Et la première salle à épreuve. Attention, ça demande quand même beaucoup de concentration, alors je me tiens un peu. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on peut se faire toucher par les pots. Si on se met trop près, par exemple, si je me mets là, je vais me faire toucher. Enfin, si jamais il bouge. Donc vaut mieux se mettre à chaque fois au milieu.
oui, c'est vraiment. C'est vraiment facile. Voilà, fini. Et donc maintenant nous avons le crasoir. Il va se mettre dans notre corps pour qu'on puisse le ressortir de notre corps devant un. Enfin, vous allez voir. Enfin, c'est comme ça qu'on avance dans le jeu, hein, souvent. Je sais plus, il doit y avoir 6 palais comme ça. Enfin, 6 espèces de mini-temples, quoi. Enfin, 6 défis crasoir. Voilà, vous avez obtenu le premier esprit crasoir. Il restera dans votre corps jusqu'à ce que vous alliez au palais crasoir où vous devrez le libérer. Tout simplement. Faut toujours revenir au palais crasoir. Bon, vu que là on est tout le temps au palais crasoir hein, au début, c'est pas très difficile. C'est vraiment un didacticiel le début hein, quand on a cristal. Keo Shehedash, Bouf Keo Fahaksh, Shufo Vem Kutsum, Rik Keoha Veno, Oho Ish Okosh, Etko Niot Keo Fahak Oshrut Hokushot, Sud Akro Ishot, Keishakev Kiashnu. Oh voilà. Vous voyez que les cutscenes sont vraiment impressionnantes, surtout pour. C'était quand même un jeu de 2002, hein. Il est sorti en 2003 chez nous, mais. C'est quand même super impressionnant. C'était quand même, on va dire le début de la GameCube. Ou le milieu plutôt. Oh, vous voyez, elle libère le Krazoa. Ah, l'esprit Krazoa. Et là, on sait pas qui se cache hein, derrière le pilier, parce qu'il y a quelqu'un qui nous observe, là, vous avez vu. Bon, je vais pas vous le dire. Mais voilà, cette personne va pousser Crystal. Bon, elle dit c'est vous, mais on le voit pas. Hein. C'est pour pas spoiler dès le départ. Attention, enfin, on sait quand même un peu qui c'est. Hein. Donc voilà, maintenant, elle est prisonnière, et comme la plupart des héros font, ils vont sauver la princesse prisonnière, voilà. C'est la plupart du temps, c'est ça. Même si ce jeu a vraiment une atmosphère, et c'est pas comme Mario, où, bah, c'est juste de l'amusement, là, il y a vraiment une atmosphère, il y a vraiment une histoire, et la plupart des niveaux sont vraiment... Bon, on ressent souvent... comment dire, cette atmosphère assez unique. Voilà, je vous laisse cette cutscene. That should be it, Rob. Bomb it. Affirmative. I'll get back to work. Hey, Fox! Isn't this music getting on your nerves? I'm trying to work on my maps! Okay, old timer. Turn it down, Slippy. Hey! Slippy, it's General Pepper! General Pepper here! I have a new mission for you, Fox! You are approaching Dinosaur Planet, an ancient world on the edge of the Lylat system! As you will see, chunks of the planet have been torn from its surface. It's your job to get them back. If Dinosaur Planet explodes, it could affect the entire Lylat system. The only lead we have is that you must locate the Queen of the Earthwalker Dinosaur Tribe. Maybe she can help you further. By the way, your fee has been approved. If you are successful, then the money will be forwarded to you immediately. Pepper out! You heard the general. Let's do it. Et voilà, là nous allons commencer dans une phase de shoot. C'est pour aller dans la vallée de Thorntide.
Donc pour aller sur sur la planète sur Dinosaur Planet. Et à chaque fois pour aller d'une planète à une autre, on fera ça comme ça. On va dans le vaisseau et pouf, une phase en shoot et on est bon pour aller dans l'autre planète. Bon, c'est un concept assez, on va dire que ça va, mais les phases en shoot ne cassent pas trois pattes à un canard. C'est pas terrible. Alors pourtant, bah, dans ce domaine, Star Fox, c'est très bon, quoi. Star Fox 64 ou Starwing sur Super NES, c'était très bon, alors que bah là, les phases en shoot sont vraiment mises de côté. En fait, c'est surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est Rareware qui a fait le jeu et... Puisqu'à la base, ils voulaient pas faire un jeu où il y avait du shoot. Ils voulaient faire un jeu plus... Bah, vraiment plus aventure. Bon, même s'il est plus aventure, là aussi. Mais un jeu où il y avait totalement de l'aventure. Un jeu en open world. Enfin, voilà. C'est parce que normalement, le jeu ne devait pas s'appeler Star Fox Adventure. Il devait s'appeler Dinosaur Planet. Et bon, vu que c'est Nintendo, après, c'est Miyamoto qui est venu et qui a dit... vaut mieux incruster dedans Fox McCloud, puisque bien sûr c'était un renard aussi qu'ils avaient fait, Rareware. Et donc ils ont enlevé l'idée de Dinosaur Planet et ils ont enlevé leur personnage, le renard là, qu'ils avaient fait, en remplaçant par Fox McCloud. Et donc il y a la licence Nintendo, voilà, en gros, qui a été remplacée. You weren't gonna make it! Very funny, sir. I know! Now, on to business! By pressing the start button, you will open your communicator. Choose who you wish to speak to, and then press the A button to contact one of us. Each team member will give you different information. It's not being tested in action, so give it a try as soon as I finish. And don't forget, you're looking for the Queen Earthwalker. Try talking to those Thorntail guys. Slippy is preparing a translator device, but until it's ready, he'll translate for you. Okay, General. But what about a weapon? Why couldn't I bring my blaster? It's always the same with you, Fox. Shoot first, ask questions later. This mission is about saving the planet, not blowing it up. It requires a different tactic. Try using your head. Yeah, very funny, sir. Fox out. Et voilà. Petite cutscene où il y avait des petites blagues, comme d'hab. C'est Rareware, hein. C'est pas Rareware pour rien. Ouais. Et là, vous allez voir. Il va y avoir, je sais pas ce qui se passe en fait. On va avoir la moitié l'âme de cristal à côté de nous qui nous explique. Enfin, plutôt son esprit qui nous explique comment utiliser cette arme. Parce que bien sûr, c'est elle qui avait cette arme là, elle l'a perdue, vous avez vu au tout début. Elle était ado de pyrotactile. Donc, c'est Fox qui a l'arme, voilà, maintenant. Pas besoin de blaster, c'est encore mieux cette arme. Voilà, là, il nous explique les différentes actions, en gros, mais même s'il y en a très peu. Au début, on se dit, putain, ça a l'air énorme. On va faire autant de combos que dans The Legend of Zelda, là, c'est incroyable. Mais en fait, pas trop, hein, vous allez voir. Les combats sont assez répétitifs, même s'il y a énormément de fonctions, par contre, avec notre bâton, après. Mais au début, quand on n'a pas de fonctions comme là, bah, on peut utiliser que les coups basiques. Et les coups basiques, ben, y en a pas beaucoup. On peut faire ce combo, voilà. On peut faire le combo avec les pieds. Oh, fun. Et on peut faire l'hélicoptère. Enfin, si j'y arrive. C'est le combo un peu plus compliqué qu'il veut pas faire. On peut faire juste le stick en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça commence bien.
Et bah on s'en fout un peu, là je suis en plein combat. Ah oui d'accord, ils sont repartis en plus, c'est quoi ce bug? Voilà, il y a ce combo là. Il y a également un petit combo avec le bouton X, comme là, en fonçant sur l'ennemi ou sur le côté. Attends, c'est que celle-là, cette attaque-là est vraiment misérable. J'arrive pas à la voir. Vous voyez que qui se protège, hein, l'IA n'est pas si pourrie. Et puis voilà, je pense que c'est tout, hein, je vais presque tout montrer. Donc voilà, vraiment très peu de combos. Très peu de combos différents. Et c'est ça qui est dommage. Par exemple, dans The Legend of Zelda, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de combos non plus, mais bon, ça suffisait quoi pour un jeu d'aventure. Alors que là, on se rend compte quand même que c'est assez répétitif. Bon, même si encore on peut être un peu tactique, hein, on se dit, mais vais-je me protéger avec le bouton R? Ou vais-je pas me protéger? J'en sais rien. Puis voilà, si on se protégeait avec le bouton R en plein combat, quand on est en mode combat, vous avez vu, il tient son bâton horizontalement. Alors que si on le fait pas pendant un mode combat, juste comme ça, bah voilà, ça fait une espèce de... Un espèce de dôme. Une espèce de dôme... Non, plutôt une barrière magique en forme de dôme. Voilà. Attention aux champignons, parce que c'est les champignons vénéneux, c'est pas tip-top. Mais donc oui, Rareware voulait faire un jeu, oui, qui ne soit pas... Bah, c'est un jeu genre comme Conker Bad Fur Day, hein. Ils voulaient faire un jeu genre comme ça, je pense. Ou comme Banjo et Kazooie, voilà, des personnages qui ne sont pas du tout dans l'univers de Nintendo. Ouais, puisque Rareware, ce sont de très grands... c'est une très grande boîte. À l'époque, ils faisaient vraiment des excellents jeux. C'est grâce à eux que bah, Nintendo sont encore là, je pense. Parce que parce que Nintendo, franchement, à l'époque, à part Mario 64 et Zelda, il n'y avait pas grand-chose sur la Nintendo 64. Et bah, grâce à Rareware, il y avait des excellents titres qui sont arrivés, comme je vous ai déjà cité Banjo et Kazooie, Conker Bad Fur Day. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Enfin, Conker Bad Fur Day, il est sorti assez tard. En 2000, je crois. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... Ah, il y a un ennemi qui m'attaque. Ah, il y avait Donkey Kong 64. Enfin, voilà. Et puis d'autres jeux, bien sûr. Qui sont excellents. Ils ont également fait des jeux excellents sur Super NES. Notamment les Donkey Kong Country, hein, la trilogie des Donkey Kong Country, excellentissime, tout simplement. Is anybody there? Are you okay? My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No Lurud no Karu, Vei Uwe, Moje, Prince Tricky Kyog Roots of Kehot Rokio Sharp Claws. Ut Kubot Ki Ice Mountain. Did you get that, Slippy? You've got to go to the Ice Mountain and rescue her son, the Prince Tricky. Nice name. Okay, lady, I'll bring your son back to you. Can you give me some directions? Owe Mishweki Kill Warpstone Kutso Kutsuj Wuk Feno Utsujod Owe Kyo. You've got to talk to that big stone guy. She called him a Warpstone. That's all I need to know. I'll be back soon, Queen. Don't you worry. Haven't you finished that translator yet? It's nearly ready, Fox. I just need a bit more time. Slippy out. Voilà, petite cutscene sympathique. Donc oui, Rareware, ils ont fait des excellents titres sur Super NES et Donkey Kong Country. Sur Nintendo 64 également, ils ont fait de très bons jeux. Et là, c'est leur dernier bon jeu, si je puis dire. Parce qu'après, ils ont fait de la merde. Ah, maintenant,
qui font des jeux sur le Kinect de la Xbox et vous voyez, le Kinect c'est de la merde, tout simplement. C'est pas l'avenir du jeu vidéo. Surtout qu'il y a que des jeux merdiques qui sont sortis dessus et... Parce qu'en même temps, comment exploiter cette merde? Attends, et en plus on a déjà la télécommande, oui c'est bon, c'est déjà assez. Avec le Wii Balance Board. Tiens, hop, il nous explique largement après. Donc oui, c'est... Rareware ont quitté Nintendo après ce magnifique Star Fox Adventure. Voilà, juste après. Pour aller chez Microsoft avec leur Xbox. Donc voilà. C'est vraiment à partir de là qu'il y a vraiment... Ils ont fait vraiment des jeux... C'était n'importe quoi, quoi. Voilà, vous pouvez voir que je viens d'utiliser la bombe. Je viens d'exploser la bombe là-bas pour en récolter quelques-unes. Et comme ça, pour en planter une ici, juste ici, pour faire exploser ce mur. Et quand, souvent, quand on voit voilà C, et qu'on voit... comment dire, qu'on voit une espèce de renfoncement là, c'est là qu'on peut poser des bombes. Donc là il m'en reste 3, je peux en avoir 7 je pense en tout. Bon d'accord, là pour parler au géant il faut lui apporter un cadeau. Et bah, pour se faire bah, comme cadeau, ce qu'il veut c'est une espèce de gâteau en pierre. Je m'en souviens, c'est... Au début, on le sait pas tout de suite. C'est là-bas, il y a une grotte tout au fond là-bas. Et c'est là qu'on va rencontrer le marchand qui a vraiment et qui est charismatique. Hein, c'est... on rencontre pas tout le temps des marchands comme ça. Je vais d'ailleurs vous faire vous montrer la cutscene qui va se dérouler quand on sera à l'intérieur. Que c'est un personnage assez mythique pour les joueurs de Nintendo. Bref, vous voyez, l'eau qui est extrêmement bien faite, enfin, même l'herbe, avec ce petit effet là, un espèce de pelage, enfin, c'est super bien fait. Enfin, le pelage de Fox est extrêmement bien fait, avec Crystal aussi. Crystal qui est un personnage de toute façon. Qui était déjà là même quand il n'y avait pas encore Fox, quand Rareware avait décidé de faire Dinosaur Planet. Donc en fait ils ont rien changé à part juste ils ont juste rajouté l'équipe Star Fox et les phases en shoot. C'est pour ça que les phases en shoot sont assez ratées. Feel free to look at the many wonderful items within these walls. I have food, special goods, and many maps. And if you like to play games, then enter the Scarab Room. Yes. Oh, and that's the exit. Okay. Thanks. Now. If you find something that you like, then choose that item and we'll discuss a price. Is that clear? Well... Good! Now, hurry and choose something, or get out! Oh, voilà. Mythique, ce vendeur. Donc, on va trouver le petit cadeau qui est là-bas, je pense. Voilà, on va... Le bonbon caillou. Et on peut un peu négocier avec le prix, hein. Vous voyez, on peut mettre 6 si on veut. Je suis sûr qu'il va pas vouloir. Attendez, je vais vous laisser. Je vais faire ça 3 fois. Vous allez voir ce qu'il dit. Ça, c'est énorme. Il s'énerve contre nous et voilà. Ah bah, c'est ça quand on est borné. Ah bah 7 non plus, il veut pas. Ah, moi je trouve ça trop cher, 10. Bon bah 9. Ah ouf, je crois qu'il allait s'énerver.
Bon, même si 9 ou 10 scarabées, c'est pareil. Ah oui, bah, je vous ai pas expliqué, les scarabées que je viens de récolter avant, en dessous des pierres, c'est la monnaie du jeu, tout simplement. Ouais, bah, vous devez le savoir maintenant, puisque je viens d'acheter avec des scarabées. Bon, là, je connais une... Regardez, petite cachette. Vous pouvez croire que c'est un bug du jeu, mais non, c'est fait exprès, je pense. Et voilà, on a carrément 15 scarabées là-dedans. Parce que les scarabées rouges comptent pour 5 scarabées, et les scarabées verts, c'est 1 scarabée. Et on peut faire le petit mini-jeu, là, si on veut, pour récolter plus de scarabées. Mais on peut aussi en perdre, hein, donc faut faire gaffe. C'est pas un jeu si facile que ça. Bah sinon, là, ça c'est pour les cartes. Parce que le marchand nous vend tout plein de trucs, hein, tout plein d'objets. Des objets bah, pour se soigner, hein, des œufs, des cartes, comme vous pouvez le voir. Là, pour la vallée Tantail, bah, c'est là où on est. Hein. Là, pour la carte Col de Lune, bon, ça c'est quand on est rendu quand même un peu plus loin dans le jeu, ça nous sert pas à grand chose là. Mais bon, vu que j'ai que 10 scarabées, je vais pas dépenser pour des cartes. J'en dépenserai peut-être plus tard, bien sûr. Bon, au début du jeu, là, je me débrouille plutôt pas mal, donc voilà. Sinon, aussi, je vais acheter en avance ceci, puisqu'on en aura besoin. Ah bah non, c'est 20 scarabées! Ah oui, c'est 20 scarabées, je m'en souvenais même plus. Bon, ça me fait chier. Bon, ça, je vais pas vous expliquer. C'est où? Je cherche la jumelle. Ah, voilà. Ah, parce que 20 scarabées aussi, mais c'est cher. Je comprends pas. Bon, allez, on va acheter des cartes, ça me saoule. Alors, ça, c'est pour la carte du Cap Claw. Je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Et purée. Je crois que pour les cartes, il veut vraiment 5, je crois, non? Ah non, même pas 4, ça peut aller. Même si ça sert un peu à rien de faire ça. Ça dépend. Bah, plus le produit est cher, plus on peut baisser le prix. Alors que là, c'est que 5 scarabées, c'est pour ça qu'on peut presque pas baisser le prix. Bah, c'est toujours mieux de l'acheter à 4 que 5 scarabées. Comme quoi, il nous reste 2 scarabées après, c'est très utile. Je sais même pas ce que j'ai acheté comme carte. Trop fort. Ça c'est aussi pour avoir des vies. Parce que oui, il y a une notion de vie dans ce jeu-là, de one-up, si vous préférez. Parce que si on meurt, si on n'a plus de vie, enfin de cœur, c'est compliqué là. Je vais appeler ça des one-up parce que vie, voilà. Trop de répétition avec les vies. On a des one-up parce que si on crève, on risque de recommencer à la dernière sauvegarde ou au dernier checkpoint, et il n'y en a pas à chaque fois du checkpoint. Et donc si jamais on a une one-up avec nous, on peut voir tout ce qu'on a là. Par exemple, j'ai pas de one-up, c'est les espèces de lapins, mais on peut en avoir une. Ça nous montre aussi le pourcentage là avec notre pote le dog. Je sais plus son nom. Sleepy, lui, nous dit à chaque fois, bah, si jamais on est paumé, bah, il faut voir Sleepy, hein. Il nous dit à chaque fois quoi faire. C'est pour la carte du monde, lui. Donc voilà, c'est pratique, hein. Le menu start est pratique. Ça, c'est pour récupérer de la magie, parce qu'on a une barre de magie avec notre bâton, là. En tirant les boules de feu, comme j'ai fait avant. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, bah les one-up, c'est pour ressusciter et de revenir exactement au même endroit. Enfin, de ressusciter, tout simplement, d'avoir une deuxième barre de vie, en gros. Et donc c'est fort pratique si on se plante dans un donjon. Voilà pour la petite explication. Donc oui, je suis à moitié paumé, mais... Faut aller voir le géant de pierre. Donc oui,
Il y a bien sûr toute l'équipe Star Fox, Peppy, Sleepy, le Rob, le robot, là, vous avez vu. Qui, je dois dire, ne sert pas à grand chose. On le voit jamais. Ça, il faut que je sélectionne avec le bouton C pour qu'il voie que j'ai son cadeau. A lovely sweetie. Who dares bother the mighty warp stone? A thousand years I've been left alone to rest. What do you want? Well, can you help us? Help you? No. But you're a warp stone. You're supposed to help. Right. Let's see if I can remember what I'm supposed to do. Okay. Now if you push left on the control stick, then I'll send you to one of those warp stone thingies. We'll get back to that in a minute. And if you push forward on the control stick, then you can enter the maze. Now this one's a bit special. When you have collected a Crozoa spirit, then push right on the control stick. And I'll send you to Crozoa Palace. Now, you know what I do. So hurry up and make a choice. If not, then press B so I can get back to sleep. Et voilà, c'est le téléporteur en gros. C'est grâce à lui qu'on peut se téléporter. Are you ready to walk? Vers des endroits. Inconnu. De toute façon, par exemple, là où je vais, à cet endroit-là, on peut pas y aller normalement. On est obligé de passer par Géant de Pierre. Et là, on va ici juste pour retrouver Sleepy, bien sûr. Tricky. Voilà. C'est parti pour les fails. Tricky hein, est maltraité par ses ordures. Ah, c'est les sbires du général Scales. General Scales. Donc on va poser la bombe ici. Même si ça sert pas à grand chose en fait, parce que là faut avoir des pièces, enfin vous allez voir. Pas trop utiliser ce concept. Je crois que c'est qu'il nous donne un nouveau sac de scarabée. Ou enfin, il nous donne une récompense. Ça, c'est pour ce que je viens de prendre là, c'est des boules de carburant. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Là, voilà, faut payer 20 scarabées pour obtenir un jeton plutôt. Oui, faut pas jeter un jeton. Alors, faut jeter des 20 scarabées. Mais bon, vu que j'ai pas assez, voilà. Je pense pas que c'est avec deux scarabées qu'on va aller très loin. Donc oui, je voulais expliquer quoi déjà. Oui, les boules de carburant servent à là, vous voyez, c'est une bombe. Faut se grouiller parce que c'est une bombe qui explose au bout d'un moment. Elle est timée. Voilà. Donc les boules de carburant servent simplement à faire les phases en shoot avec le vaisseau, parce que ça nous demande d'avoir un certain nombre de scarabées de boules pour aller à une autre planète, des boules de carburant.
Bon là, vu que j'ai battu les ennemis, maintenant je peux ouvrir la porte via mon bâton ultime. Si je vise bien. Bon, le système de visée n'est pas terrible par contre. Et là, on va avoir une phase de course. Hey Scaleface, pick on someone your own size. Neok, Nitchkiok. I am Fox McCloud, lead pilot of the Star Fox team. I've come to take the prince back to his home. Hey, wait! Voilà, Fox s'est fait lamentablement défoncer. C'est parti, vous avez vu, il y avait une boule de carburant derrière. Donc il faudrait souvent revenir sur nos pas si jamais on en a pas assez et essayer de trouver les boules de carburant pour pouvoir continuer dans l'aventure. Donc là voilà, petite phase en course. Et le maniement est assez spécial parce que quand on tourne, voilà, faut pas trop tourner des fois parce qu'il glisse pas mal, notre petit Fox. Donc cette espèce de vaisseau. Et puis bah faut tout simplement les doubler pour pouvoir continuer. Sinon si on n'y arrive pas et bah ils vont nous tuer. C'est vrai. Ouais, je me suis complètement viandé. Cette phase là n'est pas très facile hein, la première fois que je l'ai faite. Enfin en vrai le jeu, la première fois que je l'ai vu ce jeu là. C'est pas trop moi qui l'ai fait, c'est plutôt mon père. Moi j'étais, on va dire, son assistant. Moi, c'est surtout pour ça qu'aussi que ce jeu... Mais il y a beaucoup de magie dans ce jeu. C'est l'un des jeux, comment dire, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose en plus, c'est pas qu'un jeu. Voilà, bon, je l'ai fait avec mon père et... Et puis après je l'ai fait tout seul et c'est vraiment, il y a beaucoup de sensations dans le jeu et on ressent l'aventure jusqu'au bout. I can't understand you. Sizzbu at Uhat Spring, or you'd be frozen by now. Why, you little... Hey, I wouldn't if I were you. My dad's a King Earthwalker, and he'll bash you up. I don't think he'll be doing any bashing. He's been captured. That's why I've been sent to rescue you. He's been captured? That's right. It was your mother that sent me to find you. Is she okay? She'll be just fine. But we need to get you home. Ah voilà. Et donc Tricky, c'est notre familier en gros. Hein, il nous aide pendant toute l'aventure. Et ah bah là vous avez vu un petit temps de chargement. Enfin, c'était parce que c'était pour afficher les flocons. Mais souvent il y a vraiment des petites saccades comme ça, mais c'est très rare. Et c'est... même si j'ai dit souvent avant, mais c'est pas grave. Non, il y a quelques petites saccades comme ça, mais... Ça remplace les temps de chargement dans la plupart des autres jeux, hein, comme par exemple The Legend of Zelda. Où là, on avait vraiment des temps de chargement, l'écran était blanc pendant 3 secondes. Alors que là, c'est juste une petite saccade, mais de rien du tout. Donc voilà, il n'y a aucun temps de chargement dans ce jeu-là. Voilà, Chucky nous explique comment lui faire gober des champignons. Parce qu'il faut le nourrir, hein, le petit Tricky. Hein. C'est un peu Animal Crossing. Animal Crossing. Allez, je confonds tous les jeux maintenant. Enfin, Animal Crossing, on s'en fout un peu, mais je voulais dire, c'est un peu Nintendogs. Sauf que là, c'est Nintendinosaur. Nintendinosaur. Donc voilà, en fait. Là, vous voyez sa barre de champignons. Non, en gros, ça montre s'il a faim ou pas en haut. Tous les champignons, on peut lui en donner jusqu'à 5 champignons, voilà. On lui en a donné seulement 2, et donc vous voyez qu'il y a 2 champignons qui sont illuminés, qui sont pas grisés. C'est comme ça qu'on peut, on peut lui ordonner de faire... Ça veut dire qu'on peut lui ordonner de faire 2 choses. Donc là, je lui ai ordonné de faire... De creuser ça, pour pouvoir, voilà, ouvrir la porte.
Et voilà. Là il m'explique comment il faut que faut qu'il s'assoie ici. Il m'explique qu'il peut s'asseoir ici et rester ici. Par contre je sais pas ce qu'il fait. Ah mais je veux plus qu'il reste assis moi. Ah voilà. C'est bon, j'ai réussi. Donc stay, voilà, il reste sur l'interrupteur pour que nous on puisse aller ici. Ah, là, par contre c'est bizarre là parce qu'il est reparti et le truc il est pas redescendu. Le grillage. Mais bon. S'en fout un peu. Donc oui, maintenant il reste plus qu'un champignon. Parce qu'il peut soit creuser des trucs, soit cracher du feu. Parce que plus tard il pourra cracher des flammes. Et bah, comme un dragon. Tout simplement. Et c'est pour pouvoir... Voilà, là il nous explique qu'il peut aussi creuser ici. Hein. Quand on voit des choses comme ça, il peut creuser. Voilà, donc on peut l'utiliser aussi contre les ennemis. Donc... parce qu'il peut cracher des flammes. Enfin, ça sera quand même bien plus tard. Peut-être dans la partie 2, on n'en sait rien. Putain, je suis déjà à 50 minutes. Déjà 51 minutes là, ça passe quand même assez vite. Ah ouais. Vous voyez aussi que les. Que comment ? Mais qu'il a plus de champignons. Donc par exemple je vais vous faire je vais lui dire de faire quelque chose et il va pas le faire, vous allez voir. D'abord j'explose ses ennemis, mais là il s'est barré je sais pas où. Là c'est vrai, il allait un peu en solitaire là. Alors, vous allez voir, il y a une cutscene. Enfin, ah non, la cutscene s'enclenche que quand on détruit, quand on tue les ennemis. Violemment, impunément. Et tant mieux parce que c'est des ennemis. Bon alors, quand ils m'attaquent. Bon, mais quelquefois, encore, la texture de l'arbre par exemple, c'est vrai que c'est pas fantastique. Mais bon, pour l'époque, c'était... Enfin, on va dire que c'est que ça allait. Bon, ce genre de texture quand même c'est assez rare, le jeu est globalement vraiment beau. Vous voyez vraiment les personnages qui... Ah bah c'est du lourd hein. Les animations sont exceptionnelles. C'est franchement c'est fluide, c'est ce qu'on retrouve plus aujourd'hui. Tout simplement. Attends, maintenant aujourd'hui on retrouve ça que dans des jeux comme Donkey Kong Country Tropical Freeze, des jeux en 2D. Jamais dans des open world ou des choses comme ça, parce que les jeux sont peut-être trop complexes, les textures sont peut-être trop comment dire, trop réalistes, trop à trop de détails, et c'est peut-être pour ça que les jeux rament tout le temps et vont tout le temps dans les 20 fps franchement sur console. C'est pour ça qu'il faut acheter un PC. Au moins sur un PC on aura cette fluidité que vous voyez là. Donc oui, c'est sur console maintenant, c'est plus des jeux bah, avec une fluidité de merde. Faut le dire. C'est une espèce de... Qu'est-ce que c'est cette créature? Bon, sinon, au niveau du bestiaire, il n'y a pas énormément d'ennemis différents. On va souvent rencontrer les dinosaures, comme vous avez vu. Les sbires de Scale. Voilà, c'était juste pour récupérer de la vie, ça sert un peu à rien. Voilà, c'est le lieu où il y a des mammouths aussi, bien sûr. Hein, puisque hein, il fait froid, il neige, voilà. Ah, et là, quand le bâton s'illumine en vert, ça veut dire qu'il y a un passage secret pas loin. Et bah oui, ici. On me demande juste de creuser ici. Et qu'est-ce qui se passe? Comme par magie. La magie vaudou. Et on tombe. Et voilà, ces salles-là servent uniquement à upgrader en gros notre bâton.
Alors c'est soit pour upgrader la barre de mana du bâton, ou aussi, bah, là, comme par exemple là, vous voyez que la barre de magie a augmenté, elle a carrément augmenté 2x2, et donc, et c'est aussi pour avoir des nouveaux sorts. Je galère, franchement, je galère là à parler. C'est assez affligeant. Alors, je vais lui donner ça. Ah, je viens de déterrer aussi une espèce d'ananas. Enfin, ananas. Pas trop ce que c'est. Pour en donner à lui, puisque le mammouth a faim. J'ai beaucoup trop faim pour parler aux inconnus. Voilà. C'est la classe, quoi. Ah, je vous laisse admirer cette cutscene. Okay. That's better. I tell you what, young'un, I'll help you out. Here you are, my boy. This is a scarab bag. By collecting scarabs, you'll be able to buy many useful items. Ah, c'est la classe à la Fireflav, l'euro. Comme quoi. Et voilà, nous avons un sac des scarabées. Donc là, faut retrouver encore un autre endroit où il y a les espèces d'ananas. Ah bah voilà, là, il y en a un. On déterre de la nourriture. Et c'est bon. Ah, notez aussi les traces de pas, vous voyez. C'est plutôt bien fait, mais... elles disparaissent assez rapidement. En même temps, on est sur GameCube, c'est pas non plus une console qui a une mémoire de fou. Enfin si, c'est une très bonne mémoire, mais... pour ce genre de choses... Bon là, il va nous... là, il va nous... il va nous faire, comment dire... ben voilà, il va... il va nous donner un cube. Un bloc de glace. On va pouvoir avancer dans l'aventure comme ça. En le poussant, purée. En le poussant à la manière de Link. On voit vraiment qu'il met toute sa force. Allez, c'est le doubleur de Fox là. Ah, je sais pas trop si ça va marcher. C'est bon. Donc oui, on peut le pousser ou le tirer, mais c'est tout. On peut pas aller en diagonale ou des choses comme ça. Et les sauts sont automatiques comme dans Zelda. Oula, et il y a un bug. Super. Et ça recommence les bugs avec le boîtier d'acquisition, c'est un truc de fou. Hein. Si, ça m'est arrivé aussi qu'il y ait un bug dans ce jeu là, mais c'est totalement différent. C'est bah en fait on voyait la texture de Tricky. Ah si, on peut quand même aller à droite ou à gauche. À gauche ou à droite. Donc oui, on voit la texture de Tricky qui allait dans tous les sens là, sur l'écran, ça faisait bizarre. C'est comme si Tricky il était partout. Je comprends pas. Enfin, c'est dur de vous expliquer ce bug, mais ça m'est arrivé deux fois. Je pense que c'est parce que ma GameCube avait... bah, elle avait le... comment... il fallait nettoyer son lecteur de disque. Sa lentille, voilà. Donc là, sur la Wii, je pense pas que ça va faire ce bug. Parce que là, je suis sur ma Wii. Et bien sûr, je peux pas capturer avec la GameCube. Donc voilà, vous voyez, franchement, on va voir souvent des endroits enneigés comme ça, ou aussi carrément il y aura de la lave. Ah, on va aller à un donjon plus tard, enfin, à une autre planète, où il y a moitié de la lave, du feu, et de la neige. Oh, lui, il dit quelle triste journée, on m'a volé ma racine d'or. Voilà, c'est à moitié le chef des...
C'est à moitié le chef des mammouths ou quoi? Parce qu'il a une drôle de couleur. Mais... Bon, par exemple, là, Tricky peut cracher des flammes, hein, si on veut, pour pouvoir passer là. Enfin, là, il n'a pas encore appris cette aptitude. Ah, et comme vous pouvez le voir, là, je viens d'avoir un nouveau... Bon, c'est pas un item, mais... Je peux maintenant lui donner un nouvel ordre à Tricky. Je peux juste l'appeler en le sifflant. Voilà. Ça permet de, genre... Si jamais on dit qu'il doit attendre et après on n'a plus envie qu'il attende, bah voilà, on peut l'appeler. Voilà. Là c'est la nuit, donc très facile de se faire les champignons. Hein. Alors quand c'est le jour, ils font que de s'enfuir. Hein, vous avez vu de toute façon. Et parce que il y a... le jour-nuit c'est pris en compte hein, dans ce jeu. Les cycles jour-nuit, donc là, c'est ça rend plus de réalisme. Par exemple, là, c'est le petit matin, c'est l'aube, ça il commence à se faire jour. Je pense qu'il y a des scarabées dedans. Vu que j'ai un nouveau sac de scarabées, maintenant, je peux emporter je sais plus combien. 20 je pense, un truc comme ça. Donc ça sera fort pratique pour la suite. Ah non, plus que 20. Ah non, je crois que je peux en porter 50. On va le faire creuser ici. Pour pouvoir... Je pense que c'est une vie. Ouais, bien sûr. Voilà, la vie. La vie supplémentaire. On va passer parce que bah, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. C'est une one-up. Pouvoir avoir une deuxième barre de vie. Ah, les champignons, ils font la grasse mat. Hein. Ils étaient encore en train de dormir à moitié. Voilà, là, on est obligé de payer hein, pour lui, là. Parce qu'il nous dit qu'on peut pas passer. Et... Alors, on doit lui donner 25 scarabées, comme il le dit. Poliment, il le demande si poliment. Passez, mais ne dites rien au boss. Oui, parce que son boss, ça doit être le général Scales, bien sûr. D'ailleurs, c'est bizarre que qu'il nous attaque pas. Hein. C'est pas un mini boss à la place. Faire gaffe, les chauves-souris, comme vous avez vu, bah, comme vous venez de voir, sont invincibles. Hein. Celles-là sont invincibles. Je les tire dessus. Enfin, de toute façon, c'est des boules de feu, donc ça fait rien. Voilà, là, j'essaye. Elles sont invincibles. Pas possible de les tuer. Et oui, il y aura quelquefois des ennemis invincibles comme ça. Enfin, si, on pourra peut-être les tuer plus tard avec le souffle de glace. Ça, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, on peut pas se les faire. Donc là, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a du courant. Ah bah, j'ai de la chance parce que je crois que c'est du bon côté. Parce qu'on peut changer le sens du courant, ici. Ça, on s'en fout. Et pour ce faire, il faut simplement aller sur l'interrupteur et pouvoir monter en haut et faire actionner encore un autre interrupteur là-bas. Pour pouvoir changer le sens de l'eau. Donc là, bah, voilà, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter bientôt, peut-être. Ah, il court tout de suite, hein. Il va au galop. Voilà, la glissade, comme vous pouvez le voir. Très pratique. Attention à notre pote, là. Un ennemi très relou. Une espèce d'oiseau là. Tiens bon, on va se faire l'ennemi et les ennemis repopent assez souvent. D'accord, je me suis complètement viandé. I'm
here, guys. Mission accomplished. Contact General Pepper so we can get paid. She is gonna be okay, isn't she, Fox? Are you sure you finished down there? The planet's not back together yet. The Queen needs my help. Fox out. Is there anything we can do for her? We need to find white grub tubs. My mom gives them to me when I'm not feeling well. It looks like she'll need a lot. Let's take a look around, see what we can find. Voilà, on doit trouver les... On doit trouver des champignons jaunes. Ah oui, parce que les mamans ont besoin de champignons jaunes et pas de champignons, comme vous avez vu là, les gris. Hein. Donc bah on va tout simplement aller voilà ici. Attends, il faut que j'achète d'abord des allez, parce que moi je fais tout ça précaution hein. Je vais d'abord acheter des trucs. Enfin, je vais aussi aller à passage secret. Je vais vous montrer. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même un peu fait le début pour m'entraîner hein. Ah purée. Bon, je crois que je vais être touché, mais c'est pas grave. Ah même pas. Et voilà, on récupère du carburant. Et de la vie. Et on descend de la cascade. Ah il faut toujours faire ça, hein, sauter d'une cascade, c'est la classe. Surtout en plongeant la tête la première. Faire un beau plat par contre, c'est un peu moins classe. Attends, je suis à 9 scarabées. Ah merde. C'est... Faut que j'en ai beaucoup plus. Enfin non, je crois qu'il y en a de toute façon là-bas. Des scarabées, faut que j'en ai 20. C'est tellement cher. C'est si cher, ça me fait chier. Enfin bon, je dis que c'est cher, mais le capture board de la 3DS, c'est encore plus cher. 400 scarabées. Ah bah c'est bizarre, des fois ils nous en donnent 5, des fois 10, les scarabées rouges. Comme quoi on était chanceux là. Alors là on va se payer la magnifique lanterne que je ne trouve pas. Si. Bon, je vais l'acheter à 16 hein, parce que c'est pas possible. 20, c'est un taré ce mec. Ah mais c'est pas possible. Les prions pour le 18 hein. C'est pas vrai. Il veut vraiment le vendre à 20. La négociation du siècle. Quoi, même pas 19. Moi les rabat-joie, je vais te donner 20, 25. Non, je rigole. Et en plus, on peut lui en donner plus, je sais pas pourquoi. Bon, je me suis pas payé la jumelle, de toute façon, je peux pas me la payer tout de suite parce qu'elle est très chère aussi. Et donc bah, je vais d'abord acheter des lucioles pour la lanterne. Parce que je fais tout ça pour pouvoir avancer dans le niveau après. Parce qu'il y a un enfoiré de dinosaure là qui nous bloque le passage après. Et qui nous dit qu'on a besoin d'une lanterne pour pouvoir avancer. Alors que pourtant on peut voir même avec la lumière du bâton. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, avant, je me souviens, la première fois que je l'avais fait, je me suis fait avoir, j'avais acheté que des lucioles, mais pas de lanterne. Oh, mais il fait chier. Bon, allez, je t'en donne 11, là. C'est cool. Je fais plaisir au vendeur. Ok, j'ai pas compris.
Bah donc maintenant j'ai une lanterne. Une luciole. Pas beaucoup une luciole. Mais bon, c'est pas grave. Attends, on va quand même faire le mini-jeu. C'est quand même attractif. C'est quand même fun. Même si je l'ai fait que deux fois. How about playing a little game? Choose how many scarabs you wish to gamble. I will then throw them into this cave, and you have to collect them within my time limit. Je sais pas, on va mettre 5. Are you ready? Oh yeah! C'est parti, il faut pas prendre les scarabées noirs, sinon on est foutu. Ah mon dieu, un scarabée noir! Mais il m'a foncé dessus! Bon, en gros, là, il nous en vole 5. C'est un enfoiré. Donc, on va recommencer pour le fun. Et je vais essayer de réussir cette fois-ci. De toute façon c'est pas grave, j'avais que 8 scarabées. Are you ready? Et vu que quand on en donne 3 ou... Vu que quand on en donne 3 à chaque fois il... Je pense qu'il lui il donne 4 scarabées noirs. Vous avez gagné à la loyale. Voilà c'est bon, j'ai... Et quand on fait ça, à chaque fois, on gagne 3 scarabées si jamais on donne 3 scarabées. La vallée de Thorntail. Bon, je pense qu'on va quand même finir sur le niveau là. Enfin, là, il faut chercher les champignons. Je pense que en tout on peut avoir 14 champignons ou 15, je sais plus. Voilà, on va ramper pour admirer le pelage de Fox. Ah voilà. Oui. Vous avez vu un petit temps de chargement, mais franchement c'est vraiment des trucs minimes. Hein. Ça se fait en direct. Ok, hurry up. Allez, grouille-toi, Fox. Vous voyez que le doublage est très réussi. Et que... Là, il faut trouver le moyen de faire baisser le volume d'eau. Mais comment? Bon, en allant tout simplement... En explorant un peu plus et... Ça, on peut pas le faire. Attendez, si ça se trouve, j'ai loupé un truc. Ah non, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais loupé. Parce qu'en fait, on a une nouvelle fonctionnalité, encore une fois, avec le bâton. On va toujours en avoir plus, des nouvelles fonctionnalités. Et voilà, là, on va l'avoir. En explosant comme ça, on a fait baisser le volume d'eau. Donc maintenant, je peux y aller sur l'interrupteur. Bon, là, il vaut mieux bien sûr prendre cette nouvelle fonctionnalité qui nous aidera davantage. Surtout grâce à ça, et bon, on va pouvoir faire des grands sauts, des sauts à propulsion. Et, enfin, vous allez voir à quoi ça sert. On peut le mettre dans le raccourci, hein, mais ça sert à rien. Enfin, pas à grand-chose. Moi, je préfère toujours mettre le lance-flamme, presque toujours le lance-flamme, dans le raccourci, puisque bon, c'est l'objet qu'on utilise le plus. Enfin, la capacité qu'on utilise le plus. Alors voilà, c'est pour monter. Purée. C'est pour monter ici. À chaque fois que vous voyez des espèces de. Bah, oui, des carrés lumineux. Eh bien, vous pouvez utiliser
cette fonctionnalité. Faire gaffe aux champignons rouges, hein. Il y a beaucoup de champignons. Peut-être que quand le jeu n'était pas fait avec Fox, quand le jeu n'était pas fait avec la licence Star Fox, je pense qu'il n'y avait pas autant de champignons. Il faut le dire, il faut des champignons pour Miyamoto. Bon, par contre, il y a... J'ai plus de bombes, je vais en récupérer. Je savais plus que j'en ai... Je vais tirer dessus. Oh, ça a contré mon tir. C'est cool. Et puis voilà, bah là vous pouvez voir que ça ouvre le passage, mais bah quand on voilà, faut mettre un bloc dessus pour que l'interrupteur soit une bonne fois pour toutes enclenché. Et donc pour ça il faut détruire une partie là ici, faut mettre une bombe ici. Je vais mettre de l'autre côté et puis voilà. Magnifique explosion. C'est pas non plus du Minecraft, hein. On crée pas des blocs comme ça facilement. Là, c'est juste. C'est... Voilà, des petites énigmes comme ça qui sont sympathiques. Pas très dures, mais bon, plus on avance dans le jeu, plus ça va être compliqué, bien sûr. On a vraiment des fois, c'est du lourd. Donc voilà le dinosaure qui fait bien chier. Voilà, il dit qu'il a qu'on a une lanterne, donc c'est bon, on peut passer. Ah, parce que sinon, quand on peut pas passer, il y a une musique qui s'enclenche là en fond, à moitié comique et puis la moitié de danser comme un con et il nous dit je suis seul depuis plusieurs années. Je suis resté dans cette grotte depuis plusieurs années. Je suis devenu complètement barjo, je suis taré, mais pas au point de vous dire quand même que faut faire gaffe, attention, il fait noir, il fait sombre. Et donc vous devez avoir une lanterne. Voilà, je viens de récupérer un champignon. Magnifique petit champignon. Des nourrir reines. C'est des nourrir reines. C'est... Ah là là, le doublage, pas le doublage, le texte français. Ah voilà, là il y a plein de lucioles, tranquille, des lucioles gratos. Comme quoi, quand même une luciole à 10 scarabées, c'est sûr que ça fait cher. Là ça fait du bien d'en voir gratos quoi. Ah, et puis ici je peux pas passer parce que je dois péter en bas. Je dois péter le pilier en bas. Donc là, vous pouvez voir, c'est quand même assez sombre. Mais avec la luciole, même si là j'ai pas trop besoin, il y a quand même ça qui est clair, c'est pas rien. Mais avec la luciole, on pourra mieux voir. Tant pis, mais c'est ma dernière bombe. On peut en récupérer pas loin, je pense, mais voilà. Moi, j'ai pas besoin d'allumer la lumière, franchement, parce que. C'est qu'une petite partie, voilà, on est déjà sorti de... Enfin, est-ce qu'on peut les tuer, ceux-là? Je sais même plus. Non, les chauves-souris, on peut vraiment pas les tuer. Même celles qui sont pas enflammées. Quoique, on peut les tuer avec le pouvoir. Voilà, mais... Le problème, c'est que ce genre d'ennemis, là, les ennemis volants, souvent, ils repopent assez rapidement. En gros, ils vont repopper dans 20 secondes, quoi. Ah, je crois qu'il y a une bombe là-haut, voilà. C'est parfait. Ça a assommé l'un des champignons là-haut, c'est con. Bon, d'accord, trop haut. Voilà, j'en ai qu'une. Une sur trois. Voilà, je vais quand même l'utiliser, la luciole. Ça ne va pas être très agréable pour vous. Ok. Il y avait encore besoin d'une bombe, comme quoi... J'ai bien fait de transporter, de prendre une bombe.
il y a quand même pas mal de notions, pas mal de fonctionnalités, on va dire, qui sont reprises de Zelda. Parce que, par exemple, l'histoire des bombes là qu'on peut transporter, c'est un peu comme les bombes dans Zelda, les plantes bombes là, ça s'appelle, je crois, enfin, les bombes de plantes. Là, c'est des espèces de plantes également qui explosent. C'est un peu repris de Zelda dans l'univers de Star Fox. Et moi, très franchement, je préfère de loin ce Star Fox Adventures que Zelda Wind Waker. Alors que pourtant, Zelda Wind Waker, je considère quand même que c'est un jeu culte également. Pour la plupart, c'est le meilleur jeu de la GameCube. Bon, pour moi, c'est les 8e au classement, quoi. Sur le top 10. Donc ça reste quand même un excellent jeu, mais qui m'a procuré beaucoup moins de sensations, beaucoup moins de sensations épiques que procure ce Star Fox. Et ça veut tout dire, quoi. Il n'y a pas la magie, on ressent pas trop la magie de Nintendo. Parce que souvent, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, c'est pour ça que je vous ai montré que les donjons. Hein. C'est le gros du jeu, surtout les donjons, et puis aussi... qu'on est en open world sur la mer, mais à part ça, ouais. C'est vrai que l'océan est vaste, mais voilà, y a beaucoup d'îles et tout, mais les îles sont grandes, certes, mais il se passe pas beaucoup de choses sur ces îles, y a pas beaucoup de quêtes secondaires, même si là, dans ce Star Fox, c'est vrai qu'il y a aucune quête secondaire, on a vraiment aucune des quêtes secondaires dans Star Fox Adventures, dommage. Ils auraient pu en mettre. D'ailleurs, au début, Rareware ont dit que le jeu normalement devait durer 70 heures. Mais bon, à la base, normalement, il dure seulement 20 heures. Enfin, seulement. C'est une très bonne durée de vie. Mais moi, j'aurais plus voulu qu'il dure 70 heures. Parce que 70 heures d'un jeu épique comme ça, ce serait énorme. Mais bon, déjà 20 heures, c'est une très bonne durée de vie. Bah, c'est la durée de vie parfaite, presque. Hein. Si jamais le jeu est assez chiant, c'est pas trop... Si jamais le jeu est assez répétitif, c'est pas trop long, même si le jeu n'est pas du tout répétitif, celui-là. Bon, même si là, vous me voyez souvent ramasser des champignons. Bon, et surtout, je vous laisse la cutscene, qui est une cutscene qui va vous rappeler quelque chose. Là, je l'ai utilisée pour mon montage de Star Fox, pour le top 10. Thank you for saving my son and for saving me. Okay, enough of the thanks. Now I need some help from you. Can you just tell me what's going on? This is all the work of General Scales. He is the ruler of the Sharpclaw tribe, a nasty bunch of pirates who have always wanted to rule Dinosaur Planet. We have always been able to stop his attacks. But this time he somehow becomes stronger and defeated our army at the Krizoa Palace. Right, a bad guy. But how did the planet get in such a mess? Within the Krizoa Palace, he broke the seals of the Force Point temples. I'm listening. This planet is rich with a magical force. A force so strong that it is continually pushing our world apart. To stop this, four spellstones were placed inside the Force Point temples. Okay, that's a bit weird, but I understand. With the seals broken, Scales entered the temples and removed the spellstone. With nothing to hold back the magic force, the planet was torn apart! At last, it all makes sense. So, the bad guy takes the spellstones, your planet falls apart, and I've got to find the spellstones and bring them back to the Force Point temples. See, Mom? I told you he was good. Star Fox, yeah. My son will remain with you, for only a dinosaur of noble birth can breathe life into the spellstones. What? That's okay, but don't you think he's a bit young?
I mean, it's gonna be very dangerous. Loads of bad guys, fighting, death. He knows the planet well, and I'm sure he's shown you his sidekick skills. Oh, yeah. I forgot about those. Come on, Fox. We'll make a great team. Okay, but if you mess up just once, I'll send you straight back to Mommy. Okay, yeah, yeah. Good. Now, our spies have indicated that Scales was last seen in Dark Ice Mines. I know the gatekeeper, Garunda Tay, a silly fellow, but he can guide you to the Spellstone. Go back to the Snowhorn Wastes and find him. Got it. And Fox, I think you'll need this. The Sharp Claws dropped it when they attacked me. Maybe it'll come in use somewhere. Okay, enough already. Can I just get on with it? Voilà. Une cinématique, enfin une cutscene culte. C'est pour ça que je l'ai mise dans le top 10. Dans mon montage. Donc voilà, maintenant, désormais, nous serons toujours accompagnés de Tricky. S'il veut bien venir. Et donc, comme vous pouvez savoir, en fait, je me suis planté. Je me souvenais plus de ça. C'est pour les planètes. Je disais qu'on allait dans différentes planètes, mais non, c'est différents morceaux de la planète. C'est plutôt ça. De Dinosaur Planet. Et donc, on doit reconstruire la planète en récupérant toutes les pierres précieuses, les pierres magiques. Et comme ça, on reconstitue la planète comme ils ont expliqué juste avant. On va se faire quelques ennemis. Aïe. Je vous le redis encore une fois, mais la pluie est extrêmement bien faite. Ce jeu-là n'a rien à envier au jeu actuel, franchement. C'est graphiquement, vous voyez, il y a vraiment un univers, on voit les éclairs et tout. Franchement, si on avait un remake HD sur Wii U, ça me plairait. Franchement, ça me plairait parce que il y a eu un remake HD sur Wii U de The Legend of Zelda Wind Waker. Bon, je vois pas je me disais en gros, je voyais pas trop l'intérêt, mais finalement si, parce que on voit le jeu mais on est un peu plus affiné et tout, mais bon, même si je me suis pas acheté et je me l'achèterai pas, je pense, parce que bon, Wind Waker sur GameCube c'est déjà bien, mais par contre si jamais ça existe, Star Fox Adventures sur la Wii U, s'ils refont un remake, je pense que je serais peut-être je craquerais peut-être et j'achèterai le jeu. Mais bon, ce que je veux surtout, c'est plutôt une suite. Enfin, on a bien eu une suite, on a bien eu Star Fox Assault sur GameCube, mais c'est pas du tout la même chose et il m'a un peu déçu. Faut une suite au niveau un jeu d'aventure, tout simplement. Parce que en fait, Star Fox Assault, c'est pas un jeu d'aventure, ça a été fait par Nintendo. C'est plus un jeu de shoot. On est toujours dans le vaisseau. Des fois on descend du vaisseau, mais bon, on est toujours avec notre blaster, là, on tire. Enfin, c'est un shoot. Un jeu d'action. Et moi je préfère largement Star Fox, mais dans ce sens-là, là. Vraiment, c'est de l'aventure. Mais le problème, c'est qu'on va pas avoir... Ça m'étonnerait que Rareware revienne. Et Nintendo, ça m'étonnerait qu'ils vont nous faire un jeu d'aventure de Star Fox, hein, mais... Quoique... Ils ont bien parlé de Star Fox qui fusionnerait avec Metroid. Bon, ça me fait peur. Je sais pas pourquoi j'ai entendu parler de ça. Mais voilà. Donc il y aura sans doute un nouveau Star Fox qui vient bientôt arriver sur Wii U, j'en sais rien. Peut-être. Ils en ont parlé, mais... Donc sinon, qu'est-ce qu'on est censé faire, là? Ok, il me dit d'aller dans Tundrow Snowhurst. Attends, comment y aller déjà? Et là vous voyez tous les 4 morceaux de la planète, hein, disloqués, et sur lesquels c'est en gros les 4, on va dire, les 4 donjons du jeu. En gros c'est ça. Même s'il y en a, il y a l'un d'entre eux qui est différent.
où on devra... C'est là où on va devoir libérer le père de Shueki. Bon, j'en parlerai pas trop. J'ai fait un petit spoil. Oui, sinon on aura affaire aussi à quelques mini-jeux, par exemple ici. Quelques mini-jeux dans le jeu, où on est obligé de les faire, hein, pour avancer dans le jeu. Par exemple ici, pour là on va devoir protéger les œufs de ce dinosaure. Parce qu'il va y avoir des méchants ennemis qui vont arriver et les prendre, les voler. Bah, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais voilà. Sinon on va aussi avoir une petite quête pour enflammer ces trucs là, parce qu'ils vont plus être enflammés plus tard. Enfin voilà, plusieurs petites quêtes, petits mini-jeux comme ça, assez sympathique. Ça aurait pu faire office de quête annexe franchement, mais en fait c'est des quêtes qui sont obligatoires. Donc voilà, sur ce, je pense que je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures, parce que je pense que 1h30 de vidéo c'est suffisant. Et donc on se retrouve pour la partie 2 de The Star Fox Adventures, le jeu de l'année 2003, de l'année 2002, et qui restera jamais aggravé dans ma mémoire.